C'est bien cela, hein. On se retrouve sur la partie 3 de Dead Space. On va passer tout de suite aux hostilités, en continuant. Hier, on s'est fait du visage. C'était très bon hier. Ah là, je me suis tapé la flip totale. Hein. Je vous invite à regarder la VOD. Je l'ai mis sur YouTube, Bosseron 14. Et bah, même sur Twitch, hein, elle y est encore. Enfin, elle y est encore, elle y est pour quelques semaines. La flip totale hier hein, sur Visage. Là, on a joué la nuit. C'était dramatique. En revoyant la VOD, je me suis rendu compte que l'on pouvait s'acheter finalement des points de force. Je trouvais ça bizarre. Alors, je sais pas où se trouve un shop. Pour ça, on va faire ça. Sauvegarde. Blanc. Stock. Mais est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est loin? Merde. Est-ce qu'il est loin ce stock? Non, non mais moi j'aimerais bien juste voir la carte. Non mais la carte. Bah merde, ouais. Comment on affiche la carte? Oh, c'est un début de stream laborieux. L'inventaire, ok. La mission. Ah, y a plus de carte? Cause de l'IA. Il est loin le stock? Oh, il doit pas être très loin. Ah, il est juste là. On a de la chance, on a de la chance. Par contre, je sais pas où j'ai foutu mon portable. Il est là. Excusez-moi. Juste une toute petite seconde, je mets le chat devant moi. C'est quand même plus sympathique. Voilà. Hop. Voyez, c'est une. Alors, il y en a déjà sur le chat qui se plaignent. Alors que j'ai pas encore mis le chat. Voilà, ça y est. Il y a des gens sur le chat qui se plaignent que j'ai pas encore mis le chat. Comment voulez-vous qu'on y arrive? On n'y arrivera jamais. Avec une communauté comme ça. Les gens se plaignent, hein. Les gens me chuchotent encore hein, en me disant ta communauté, c'est une communauté de cons. Hein. Mais non. Je plaisante. Vous voyez, on peut s'acheter des points de force. Voilà. Ils coûtent 10 000. Et ben, vous savez quoi? On va s'en acheter 3. Voilà. Comme ça, on va commencer la partie. On va les sauvegarder un tout petit peu. Ça va nous faire le plus grand bien. J'ai cru que je m'étais déjà planté de chemin. Ça aurait bien commencé. Déjà, on en utilise un ici. C'est pour ça que j'en ai pris 3. Je savais que j'en aurais besoin. Alors, est-ce qu'on a bien fait? On a du découpeur. On a du découpeur. On a. Ah, kit de soins moyen, c'est très bien. Semi-conducteur, recharge. Oh voilà, oui, là, non, c'est là. C'est Noël, là. Ouais, non, on a bien fait. On a bien fait. Parce qu'on avait plus de découpeur. Ok. C'est bon. Non, c'est très bien. Et du coup, là, sur le plan, on va se sauvegarder. Ah, moi, j'aime beaucoup le découpeur forgé. Hein, vous le savez. Hein. Mais là, pour l'instant, il faudra bien qu'on se lance un jour. Hein, dans l'upgrade. Sinon, bon, il y a toujours le cutter plasma. On peut se remettre du dommage. Et de la capacité. Et le trancheur massif. Allez, on peut se mettre du dommage. Il est déjà combien de dommages? Il est déjà à 3. À la limite, c'est plutôt le cutter plasma qui a besoin du dommage en plus. Non, il est déjà à 3 aussi. Donc, découpeur forgé. Putain, là c'est que la recharge, là c'est la durabilité. La durabilité c'est pas mal hein. Mais il en faut 3. Et au niveau du... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Du rig. On aurait plus d'air. 20 secondes c'est pas mal. Et plus de force. Et de la module de stase. La durabilité de la stase, allez on prend ça. Ça fait un peu chier au début parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. Et puis, non, non, la durabilité de la stase, c'est quand même très, très, très important. Allez,
Et là, un peu plus d'air. Hein? Point manquant, impossible de poursuivre. Ah, c'est ici. Il faut mettre de la force d'abord. J'ai pas envie. Pas envie. Allez, on se met du dommage. On va avoir un trancheur magnifique. Bon, on a perdu 5 minutes. Mais comment dire? C'était pour la bonne cause. Hein? C'était pour la bonne cause. On joue quand même en survivant, hein, je vous rappelle. Hein. Il y en a qui ont un peu trop tendance à l'oublier. Oui, non, on va changer ça. Ce qu'on veut maintenant, c'est l'objectif. Je vais mettre un petit peu plus de... Excusez-moi, décidément, on est dans les paramètres. Hein. Mais c'est pour votre confort. Puis pour le mien. Pas surtout le vôtre. Que le jeu soit un petit peu plus clair. Hein. Parce que là, pour vous, c'était vraiment très très sombre. Bon, là, j'ai le jeu à fond hein, dans le casque. Ouais, mais nous on n'est pas du personnel subalterne, on ne quittera pas la zone. Ah, il faut qu'on arrête l'oxygène. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'ai pas bien compris là. Faut qu'on arrête l'oxygène, d'accord. Ah oui, ok, on peut voler. Je l'ai mis où le... Bon, ça commence bien. Je l'ai mis où le... le... Ah, elle est là. Bon, tout est fermé. Il faut que je... J'ai un mal fou, j'ai remarqué, à reconnaître les... À reconnaître les endroits pour mettre les batteries. Ah merde, c'est pas... Je croyais que c'était une caisse. Non, non. Pas du tout une caisse. Bon, il est où le... Là, c'est une caisse. Ah, peut-être ici? Là, il y en a un. Faut tout retirer quoi. Oui, mais c'est très bien qu'il n'y ait pas d'oxygène, ça va arrêter le... Ça va arrêter le feu. J'essaye de comprendre... Où se trouvent tous les... Où se trouvent tous les trucs d'oxygène? Il y en a un derrière là? Bon, si je faisais le fil d'Ariane, peut-être que ça m'aiderait. Hein. Non, ce petit coquin, il me dit juste d'aller là. En général, j'ai un mauvais sens de l'observation. Hein. Ah ben voilà. Oh merde, toi.
Voilà. Système vital, diffusion d'oxygène nulle. Cette zone est désormais inhabitable. Réserve de personnel obligatoire. Non mais là vous êtes dégueulasse, j'ai voulu ouvrir la porte. Ah il faut avoir le cul posé. Oui, non, ça nous va comme ça. De toute façon, il était cassé. Ok, bon, faut qu'on en trouve un autre. On sait où il est, hein. Pas confiance, hein. Pas confiance. Ils sont où? Non, là. Oh. On a eu des balles, il est passé juste. On a toujours. On a toujours un petit peu de chance dans le jeu, c'est ça qui fait plaisir. Ah, ouais, c'est en train de me dire qu'on a toujours un peu de chance dans le jeu. Putain, mais là on a merdé. Hein. Comme quoi il faut. C'est vraiment un jeu, hein, faut être au taquet, hein, c'est. J'ai fait le malin là, avec ma webcam et puis voilà. Perdu. Il veut que je suive les étapes. Étape 1, pénétrer dans la machine. Strauss, du calme. Il vous fera pas de mal. Il veut que j'aille dans la machine plurilac. Je peux pas. Elle y est. Elle m'attend. Strauss. Mon Dieu, mon Dieu. Strauss, écoutez-moi. Vous devez continuer. Vous pouvez aller au train? Vous le pouvez? Il arrive. Si j'éteins là, c'est bon? Ouais, ça va. Ça fait une lumière en moins dans la tronche, c'est bien. Aucune confiance en lui, hein. Force. Petite save. Bon, il y a des checkpoints, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi je fais les saves alors que on est bien, quoi. Bon, vraisemblablement, il va falloir. Il va falloir découper là. Comment ça se passe ici? Espèce de labyrinthe, hein. Non, on est passé loin. Enfin, on est trop loin. Bon, allez, c'est parti. Là, c'est le cirque. Enfin, c'est l'attraction là. Je sais plus le détonateur comment ça fonctionne. Lui, je préfère le baiser, j'ai peur toujours qu'il y ait des papillons.
Il y en a un là. Hein. Pas sûr que ça leur fasse grand mal. On y va tout doux, hein. On est en mode dur. Hein. Moi je suis pas un pro gamer. J'ai déjà terminé en dur, mais je le dis à chaque fois parce que j'en suis fier. Mais non, je le dis à chaque fois parce que je suis pas certain que ce soit toujours les mêmes personnes qui me regardent. En étant tout à fait franc. J'ai une communauté très disparate et qui se renouvelle à chaque instant. On peut pas en avoir plus de 5, ok. Qu'on aura retenu de cette petite session catastrophique, c'est qu'il faut plutôt y aller au tranchard. Alors il y a des bombes. Ça, je sais plus exactement avec quoi ça marche. Il n'y a pas de tir secondaire hein, là. Non. Le mieux c'est de staser évidemment et de trancher. Hein. On va jouer à l'ancienne. Ils sont très rapides. Chaud, mais j'ai mal joué. C'est très très chaud. Enfin, c'est pas que c'est très très chaud, mais c'est que j'ai mal joué. J'ai tiré plein de fois à côté. J'ai stressé. Le son est très fort dans mon casque. Pas la même chose. Faut jouer plus safe. Non, puis là on les tue en un coup. Hein. Putain, ça commence bien. Thank you.
suis pas mort là. Putain. Putain, compliqué, hein. Compliqué, compliqué. J'aurais dû me soigner aussitôt. Il me tue en... En fait, il me tue en deux coups. Donc, le truc des mines là, ça serait très bien. Mais j'ai pas l'arme adéquate. Allez, viens là. Attends, et je peux recharger là. Ah non, c'est avec celui-ci. Maintenant, il m'a remis du trancheur. Non, mais c'est pas dur si on recharge bien au bon moment. Pas du tout le moment de recharger là. Qu'est-ce que je fais, Romain? Là, je m'en veux, hein. Enfin, faut retourner dedans, hein. Faut retourner dedans. Bon, c'est pas un jeu simple. Ça va le faire. Ça va le faire. À chaque fois, ça le fait, mais bon, c'est... C'est pas simple, quoi. Faisons ce qu'on est sûr. Ce dont on est sûr. Putain, mais c'est pas possible. En plus, il faut les staser. Pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je m'ennuie? Je m'ennuie là. Ils sont très rapides, hein. Et l'ennui en mode survivant, c'est que bah oui, en deux coups on est mort, quoi. Ouais, ça fait 15 fois que je fais ça.
Je suis pas certain que ça soit terminé. Il en reste un autre. Hein. Qui peut bien sûr arriver au moment. Voilà. J'ai compris l'histoire de recharger la stase. On va garder ça. Ça va nous faire une économie de balles. Si on y arrive. On va le laisser là. Il va se pointer de toute façon quand on va arriver là. On va jouer safe. Ah, il est déjà venu. Curieux. Alors j'imagine qu'il y a possibilité de speedrunner ça. J'ai hâte de voir le speedrun. Hein. J'ai hâte de voir le speedrun de ça. Hein. J'ai un plaisir à finir les jeux. Et j'ai encore plus de plaisir à regarder les speedruns. Isaac, il est parti. Écoutez, les étapes peuvent détruire le monolithe. Étape 1, remplis dans la machine obscure. Et étape 2, les vis. Les vis, serre fort. Je comprends rien. Oh mon Dieu, il revient. Non, 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 non. Elle a l'air de se démarrer. Hein. Oh, hey, hey. Non, t'approche pas. Ne tire pas dessus. Si tu veux qu'on parle, tu restes où tu es. On est copains. Il y a mes deux aussi, je suppose. Le dernier qui m'a dit ça a cherché à me tuer. Du calme, je ne vous ferai pas de mal. Ouais, t'as bien compris. Tu essaies, t'es mort. On s'est fait une nouvelle petite copine là. On nous a quand même tiré dessus. Mais bon, c'est pardonné. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je crois qu'on est parti du mauvais pied. Oui, aussi. Moi, c'est Isaac. Ellie. Moi, c'est Bosseron 14. Tu cherches quoi, Isaac? Bah, j'essaie de rejoindre les transports pour aller au siège du gouvernement. D'après toi, qu'est-ce qu'on essayait de faire, au juste? Je pourrais vous aider, si vous voulez. En restant ensemble, on aura plus de chances que ça marche. Vous croyez pas? Pas question, Isaac. Les partenaires, ça a tendance à me ralentir. Je vais déverrouiller la porte, mais après ça, tu te débrouilles seul. Et s'il te plaît, ne me suis pas, ok? On est dans le même camp. Ah, quand le casque se remet, hein, c'est toujours un plaisir. Schéma kit, balle d'assaut, ok.
On a rien d'autre à looter ici? Non. Bon. Bon, on va quand même te suivre, hein. Des os. Bien les filles, ça. Elle n'hésite pas à la suivre, mais. C'est un nom qui veut dire oui. Oula, ne faisons pas d'erreur. Vous vous souvenez comment on les gère, eux, hein. On prend une babiole. Voilà. Alors, des fois, ils sont disséminés à des endroits pas simples. Hein. On va faire déjà une petite sauvegarde. Bon. On va se racheter des points. Ok. J'aurais acheté quelque chose, mais on pourrait peut-être changer de. Bonus, 15% de guérison supplémentaire pour chaque kit de soins, 15 emplacements d'inventaire plus 15% d'armure garantie. Tenue d'ingénieur forgé. Nous on a ça, hein. Ah, parce qu'elle coûte 20 000. Celle-là elle coûte 0. On prend ça. Votre rig garde votre plus haut niveau d'inventaire. Non mais on va changer d'armure. Je la trouve trop légère celle-ci, hein. On va être plus joli. Et nous ce qui nous intéresse, c'est de finir certes en mode hard, mais aussi d'être très joli. Évidemment. C'est un jeu vidéo. Donc qui dit jeu, c'est jeu. Mais il y a vidéo. Les visions. Le visuel est important. Le visuel est important. Voilà, puis bon, ça fait quand même plus Dead Space. Bon. On se rachète un. Attends, on... Alors, il y a plein de trucs, détonateurs. C'est le truc à mine. C'est sûr que ça doit être très bien, mais moi pour l'instant, comme on joue en dur, je vais me prendre ça. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Des balles, c'est bon, on en a. Ben, les mines, on va les revendre. Non. Le javelot, on garde. On peut vendre ça. Donc ça nous refait 16 000. On se reprend un point de force. Voilà, et on se prend. Allez, soyons fous. On se reprend des balles de trancheur. Et voilà, allez, comme ça on est bien. On a 12. On va pas nous emmerder là. Alors, on va prendre ça. Il y a des saloperies qui sont sorties de lui ou pas? Niveau soins, ils sont quand même plus sympathiques, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai peur des espèces de blobs. Ah, il y en a un là. Ah, je l'avais pas vu. Hein. Il doit être derrière. Voilà. Ça, on a 3000 balles. Bon, là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Hein. Bon.
Ça c'est Où te caches-tu? Je l'entends à droite. Ah, il est là-haut. Ah, ça me fait chier d'utiliser un... Trop le choix, hein. Il y en a un autre. Il n'y a pas moyen de... Non. On va être obligé de tirer dessus. Hein. On va prendre un truc qu'on n'utilise jamais. Putain. Jouer là, ça c'est pas du bien joué. Comme dit Hooper, c'est pas du bien joué. C'est pas du bien joué parce que on s'est fait toucher, on a perdu du temps. Ah, je me souviens d'ici. Avec la marmaille. C'est ce qu'on appelle, pour ainsi dire, une crèche. Hein. Voilà. Mais j'aime bien leur tuto. C'est visuel, on comprend très vite. Et c'est fermé. Coucou les enfants, 15 minutes de récréation. Amusez-vous bien. Elle est où la ligne? Elle est là. Très bien. Très bien, déjà à cette époque-là, qu'est-ce qui était marqué? Silence, quoi? Centre de soins, Tom Bruno. Silence. Silence-il. Si on a bien fait. En même temps, est-ce qu'on avait vraiment le choix? Ça va être chaud, hein. On va pas leur envoyer des trucs dessus. Je sais qu'il y avait une arme qui était très très bien pour ça, mais je l'ai pas. Le mieux c'est dans Stasis 1. Il y avait le souffle PK. J'ai plus ça. J'ai plus rien.
Heureusement que je me suis acheté des trucs. On a plus d'armes là. Ah, puis je sais qu'après il y a un passage qui est difficile. Quand je l'avais fait en survivant la seconde fois, j'en avais chié. Enfin, pardon. J'ai remarqué que j'étais de plus en plus mal poli. J'avais vraiment eu quelques difficultés, pardon. On va essayer de gérer le truc, hein. Au mieux. Mais pour les mômes, là, il y avait le souffle, hein, c'est ça. Hein, je crois que c'était le PK et je crois que c'était le must. Pour tout ce qui est petit bébé. En général, les bébés, c'est petit. Mais... Ah, encore une hallucination. Bon, ça va. Celle-ci, elle était... Alors voilà, je me souviens qu'ici c'était l'enfer. Je me souviens d'être mouru en boucle ici. Hein. Déjà, ça commence mal. Mais j'ai pas les bonnes armes. J'ai pas les bonnes armes. On en est là, hein. À essayer de grappiller sur les cadavres. Et j'ai plus de découpeur. Ah si, le découpeur c'est bien pour les petits. Bon, j'ai de la stase. J'ai que deux découpeurs, hein. Ok. Me fait tomber mon truc. Ça, évidemment, ça stasse tout le monde. Où je dois aller déjà? Merde, n'importe quoi. J'ai plus d'armes.
Ouais, merde. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas récupérer juste un petit truc avant. J'ai pas beaucoup d'armes. Ah, je peux même pas passer. Bon, l'idée c'est de s'enfuir, hein, évidemment. Mais c'est chaud, quoi. Mal joué tout à l'heure et j'ai pas de Ça c'était pas trop mal, même si j'ai perdu plein de munitions pour rien. C'était pas trop dégueu, à dire. J'ai plus rien là. De la stase, je peux m'en remettre. Donc lui, on va pouvoir se niquer. Mais quel con! J'ai perdu une balle. Ah bah ça m'a permis de récupérer des trucs par contre. Bon, alors au moins je saurais que le tir alternatif c'était ça, hein. Je m'en souvenais plus. Ok, donc on reste là, j'ai de la stase, on fait pas le con. Putain, ouais, en plus, non mais c'est bon là, ça va le faire. Putain, mais c'est marrant que ça a fait tout exploser comme ça, j'ai des milliards de trucs. Bon, ça va le faire. Le découpeur a pas été une mauvaise idée. On a de la stase. Ah, faut qu'on se barre en plus. Qu'est-ce qu'on se fait chier à aller là? Mais c'est bon. C'est bon, on a passé le truc. C'est bon, c'est bon. Bon bah écoutez, c'est passé mieux que je le pensais. C'est mieux passé que je ne le pensais. J'ai peur que ce soit pas terminé, justement. Là, un point de force, ça c'est très bien. Pour le moment, on va rester sur le découpeur. Ah. Tu m'y toujours? As-tu peur de te couper les veines si tu m'écoutes? J'écoute pas ce que tu dis. Taï Strauss, mais tu n'es pas réel. Ah, tu dis que je ne suis pas réel. Pourtant, me voici. Tu n'es qu'une hallucination. Strauss sait comment te détruire. Il sait comment détruire le monolithe. On va te détruire! Voyez-vous ça? Détruis le monolithe et toute douleur partira. Te rends-tu compte, Isaac? Tu n'auras plus à écouter ton cœur. Elle a beaucoup changé, Nicole. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais. Je la reconnais plus. J'ai l'impression qu'elle essaie. J'ai l'impression qu'elle essaye de me faire peur. Parce qu'elle a derrière la tête. Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me faire peur. Isaac, c'est Ellie. On a un survivant. Vous vous connaissez à entendre ce qu'il raconte. Isaac, j'ai dit pas de boucher. Ellie, pas de panique. Il s'appelle Strauss. Je le connais. Il a l'air folle dingue. Je le crois pas. Tu restes tranquille. Ellie, j'ai besoin de lui vivant. C'est important. Merde.
Isaac. L'emmène au transport, mais qu'il fasse un geste suspect, un seul. Et je le désingue. C'est pas notre ami. On le connaît à peine, mais ne lui fais pas de mal. Bon. Déjà. On peut pas en mettre plus de 5. Il va falloir se remettre un point. Hein. Ok. Oh, ça sent le fight, hein. J'aurais pas été oiseau de mauvais augure, mais ça sent la bagarre. Oh putain, oui. J'ai quoi? J'ai du trancheur. Ok. Allez, c'est parti. Isaac, on est là. Allez. Ah oui, je vous vois. Salut Isaac. Génial. Déjà que c'était l'enfer pour survivre. Je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie. Tu bosses à la CEC? Pilote de classe 4, engin lourd. Et toi? Ingénieur. Geek. Logique. Merde. C'est noir. Il me voit dans le noir. La ferme, ça ira, c'est le courant qui a sauté. Ça va pour vous là-haut? Non. Merde, les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés, Clark et Strauss. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous n'arriviez à la centrale ensemble. Mais hélas, le train ne circule plus. Vous êtes malade? Vous avez coupé tous les systèmes. Et il y a peut-être d'autres survivants. Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Et vous laissez fuir comme ça. Au revoir, Clark. On se connaît. Non mais là je t'ai feinté là mec. C'est bon. Isaac, oh. Tu vas bien? Je crois qu'on est tranquille, pour l'instant. Pourquoi Tideman a coupé le courant? Comment t'as fait pour l'énerver à ce point? Il fait des économies d'énergie. Tu sais ce qu'est un monolithe? Ouais. Les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi, il existe vraiment? Oui, il existe. Tideman l'a construit d'après les codes emmagasinés dans la tête et celle de Strauss. Tout ce qui arrive sur cette station, c'est la faute de ce monolithe. Je dois le trouver et le détruire. Et j'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, Jack. Tu m'aides, oui ou non? On est sur le point d'étouffer. Alors, ouais, je ferais mieux. Ok, super.
Bon, il faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La Méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais ça fait des années qu'il n'a pas servi. Ok, très bien. Alors je me rends là-bas. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Oh, bah très bien. On va faire une fine équipe. Tiens, je t'emmène avec moi, toi. Je vais t'emmener jusqu'à la fin du jeu. Faut que je regarde ce que je ramasse, hein, parce qu'après je... Voilà. Ok. Lui, je le tue, hein. Enfin, je le démembre. Je vais me mettre un coup de vie. C'est le dernier. Le jeu est dur, hein. Mode survivant. Ça s'est bien passé contre le boss. Bon, bah, c'était le même que dans le 1, alors bon. J'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de... De mérite. Je me souvenais comment il fonctionnait. Ce qui nous a sauvé, c'est de que le trancheur soit... On est upgradé vachement le trancheur. Ah non, mais la bonbonne, quand j'ai dit que j'allais... Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est dégueulasse. J'ai fait exprès pour pas que ça me pète à la gueule. Ça c'est dégueu quand même, hein. J'ai fait exprès pour voir. Merde, mais je suis trop con, c'est pas du tout la bonne arme. Alors attendez, il faut le tir alternatif là. J'ai pas bien joué là. Je suis obligé de l'avouer, j'ai pas bien joué. Qu'est-ce qu'on entend? Par contre, ça a bien marché, hein, le tir alternatif. Ah, on va l'emmener jusqu'au bout, hein. Je l'emmène à la fin du jeu. Pas la prendre, elle a disparu. Évidemment, on est un petit peu déçu. Comment va Strauss? Un petit peu déçu. On doit t'entendre dans tous les blocs. Cet idiot va nous faire repérer. Ellie, essaie de le calmer. Je dois savoir ce qu'il essaie de me dire. Il nous reste de la stase? Non, rien du tout. Bon, faut qu'on remette l'électricité, hein. Putain! Il est où? Bon, ça a été. Ça a été. On va se racheter des points de force. Enfin, on va voir ce qu'on a comme argent. Surtout, mise à jour lance-flamme, ok. Mais ce qu'on veut surtout, nous, c'est vendre... On a 22 000. On va s'acheter des points. Et puis on s'achète une petite bonbonne de vie.
Putain, c'est 5000. On est dans la merde. On a, on a une bonbonne de vie. Allez, on a 2 points de force. Sélectionnez un objet et appuyez sur Y pour retirer tous les points installés et le réutiliser. Ah, c'est pas mal ça. Quand on veut changer de... On a 6 points. Là, on peut se mettre de l'air, de la force. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah, putain. On peut arriver à du... dommage empalement par télékinésie. Ah oui, c'est par la télékinésie. Ok. Le découpeur avec 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être pas mal. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. La durée ou la capacité. Allez, on fait ça. Et on en garde un pour les pièces. On en garde un pour les pièces. Bah pour les pièces qui nécessitent un point de force, tout simplement. Ah, on vit, on vit dangereusement là. Là, on a fait des choix que peu auraient fait. Hein. Ah, mais merde! Putain. On a fait des choix que peu auraient fait. Que peu auraient osé faire. Là, on peut aller là. Ok. Bon. Ellie, je me suis fait avoir. La capsule qui mène au complexe solaire a l'air de flotter au fond de la cage d'ascenseur. Sans déconner. T'en fais pas, je peux gérer. Je vais sortir jeter un coup d'œil. Tirer sur les bouts rouges pour déplacer les objets. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai plus suivi, j'ai pas suivi. Il y a la cage d'ascenseur qui... Ah putain. C'est génial. Le jeu est génial quand même. Ah voilà, c'est ça la cage d'ascenseur? Non. J'ai pas écouté vraiment ce qu'il disait. Je me souviens plus vraiment. Il faut aller foutre la cage d'ascenseur, je sais plus où. Mais déjà, c'est quoi la cage d'ascenseur? C'est le gros truc là. Attendez, on se remet à l'endroit. Ok. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, la cage d'ascenseur, elle est là. Il faut la faire remonter. Ouais, mais j'ai pas eu envie d'utiliser ça. Où c'est qu'il y a un cadavre? J'ai vu un cadavre il y a 2 secondes. On essaye quand même. Ça va être bloqué par quelque chose. Qu'est-ce qui bloque là? Pas rien du tout. Non mais c'est bon. On lui remet un petit coup de peps et puis c'est bon. Voilà, objectif atteint, voilà. Ellie, c'est bon, l'ascenseur est réparé. On dirige vers le complexe. Comment va Strauss? D'après toi, il va... T'entends ce qu'il dit?
Je ne vais pas supporter ça. Il le faut pourtant. On continue. Attends, il y a des cadavres partout et elle peut pas supporter juste un petit mec qui déconne. Mais non. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. En plus il me met 2-3 petites taloches et puis il se barre. C'est insupportable. Ça c'est dégueulasse encore. Il va y en avoir ici. Hein. Je vous mets mon billet. C'est joli. Hein. Trop joli. Pas mal se passer là. C'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Ah putain, mais en plus je joue mal. N'importe quoi. En plus, je sais ce qu'il faut faire. Enfin. Naze. Non. Pardon. Il va venir me refaire chier, lui. Non, c'est bon. Par contre, ils nous remettent la vie, hein, j'ai l'impression. Ouais. Curieux. Non, je vais mettre un coup de trancheur, comme ça au moins ça sera direct. Je sais pas si on peut le staser. Je vais essayer. Attendez. Je vis dangereusement là. Pas prêt assez de nicotine. Alors ça va suffire pour le combat. Tout à l'heure j'avais déjà, dès le départ j'avais pas la bonne arme, il m'a touché. Ils sont sympas de me remettre de la vie quand ça. Mais il y avait un bug. Il y avait un bug de texture là, on le voyait plus. Un bug de texture là. Ça s'est vu. Je me suis fait toucher pour rien là. Bon, on se met bien au centre. J'aurais mon souvenir d'où il arrive en plus. Là, la porte est là. Il arrive en face. J'ai mal au cul en plus.
beaucoup ça. Mais putain. Là j'ai joué encore merdiquement. Heureusement qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend, hein, parce que sinon on se dirait qu'on n'y arriverait jamais. Qu'est-ce qu'on entend ? Ah oui, d'accord. Il y en a pas un autre, hein, là ? Utilisez TQZ pour lancer les bonbonnes. Ça me fait chier d'utiliser ce truc là pour... Non, on va lui envoyer la caisse à lui. Y'a pas autre chose qu'on peut lui lancer, ça? Non, ce truc là, là on va le garder pour quand il y aura un gros. Il y aura forcément un gros à un moment donné. Putain, que je me fasse pas avoir. Il est où? Putain, je l'entends à gauche là. Vous savez quoi? Je vais faire le tour. Je suis sûr qu'il est dans un angle mort. Il est dans un angle mort pour m'emmerder. Quel idiot! Ça, on a gardé. Je sais pas si ça servira plus tard. Méga PK. Ça, c'est très bon, ça, le méga PK. Hein. Le javelot, je vous mens pas, il me sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il en restait un au... Il en restait un au plafond. Quel con. Ah non mais là, en un coup il te tue. Oh là 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 là. Bon écoutez hein, je vais bien être gentil. Et vous, voilà.
Le malin tombe dans le ravin. J'ai voulu aller vite et déclencher les deux, et puis voilà. J'étais puni. J'ai aussitôt été puni. Bon. Je comprends maintenant pourquoi ils ont mis les... On rechargera après. On va prendre ça. Apprendre en fait. Il en reste une bonbonne, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il en reste deux. Je suis sûr qu'on le regrettera, on va être obligé de repasser par là, il n'y aura plus les bonbonnes. Mais je suis mort de quoi? Je suis mort parce qu'il a explosé, il m'a envoyé un truc. Non mais... Bon, je veux bien... Allez, d'accord. Non, mais je veux pas... Non, non, je veux pas... Là, c'est super énervant, quoi. Ça fait trois fois que je fais le truc. Il y en a un autre, mais... Il était pas mort ? J'ai envoyé une bombe. Non mais on va recommencer 4 fois un truc complètement idiot. Mon dieu. Allez, prends ton temps. C'est bon. Putain, celui-là, je l'avais pas pris tout à l'heure. Allez, on dira que c'était bien parce qu'on l'avait pas pris tout à l'heure. Mais j'ai plus de vie, à chaque fois, il m'enlève de la vie. Hein. Bon, celui-là, on le tue. J'ai pas d'arme. Ça, c'est réglé. On va le faire après, celui-là. C'est fou, hein. Ah, c'est ça, tout à l'heure, il a tiré. C'est bon, il est mort. Putain. Non mais là que je vais pas me refaire avoir, mais je vais utiliser les petites... Non mais je vais utiliser ça. Putain mais j'étais encore en face de lui, mais je suis complètement con, hein. J'ai failli mourir encore une fois, quoi. C'est pas possible. Ah, j'ai eu peur. Les petits oiseaux. Complexe Sigma Magma 05.
identification personnelle est requise. Veuillez patienter ici. Le gardien Howard Phillips vous rejoindra d'ici quelques instants. D'accord, mais on va pas l'attendre. Hein, ça vous dérange pas? Habitat contrôle, sitting, climat, motif. Bird Watcher. Ah bah oui, Howard Phillips, il risque pas de nous rejoindre là. C'est fou, hein, qu'on puisse pas regarder les logs. Moi, non, mais c'est que des logs. Moi, je préférais... On va rester dans le mystère. Bon, c'est joli, hein. Voilà, on a 1h22, ça sera ma capture. Pour la vignette. Oula, 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 oula. Il y en a un, il y en a deux. Non, ça a l'air d'aller. On a eu un point de force. Ah, puis surtout. Voilà. Un peu de vie, quoi. Moi, je serais. Schéma TGRG Lame Découpeur. Méga PK. Moi, j'ai envie de vendre le. De toute façon, il n'y a pas un plan ici. Non. Non, il n'y a qu'une sauvegarde et... Moi, j'ai envie d'acheter le méga PK. Hein. Cutter plasma forgé. Non, 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 mais nous, on est bien... On peut s'acheter 3 points de force. J'en ai déjà 2. Qu'est-ce qu'on peut vendre? On vend les mines. Ah non mais j'ai que 4000. Ah non mais laisse tomber, j'ai rien du tout. On s'achète de la vie. Et que ça coûte 5000, on peut même pas. On peut rien faire. On peut prier quoi. Il est où le méga PK? Détonateur, il a zéro évidemment. Pourquoi il y en a qui sont plus chers? Je le vois pas. C'est ça, hein. Fusil chargeur. Fusil de précision évolué. Non, non, on veut pas de ça. Mais je suis fou. Ils m'ont dit que j'avais un plan de méga PK. Fixateur véloce. Choc laser industriel. Oh, la méga PK. Accélérateur de graviton portable. Tir dégâts alternatif plus 10%. Vitesse plus 5. Accélérateur de graviton portable. Ça donne envie, hein. J'ai trop d'armes. Ah bah oui, bien sûr que j'ai trop d'armes. Combien je peux le revendre, le mon... Celui-là, je m'en sers pas, le javelot. Hein. Juste 5000. Bon, on laisse tomber pour l'instant. Allez, de toute façon on n'a pas d'argent. Ils ne sont pas autorisés dans la zone. Éloignez-vous de la porte. Ah mais moi je suis Howard Phillips. Il fallait prendre quelque chose sur le corps. Certainement ça.
Hey Howard, t'as pas ta carte d'identité? C'est lui, hein. Allez, viens avec moi. Bon, il est plus exactement tout comme... c'est pas vraiment le même, mais c'est le même. Autorisation Rig accordée. Bonjour, gardien de station Howard Phillips. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en parfaite santé. Salut. Système de défense activé. Gardien. Veuillez énoncer le code d'accès pour éviter. Bon, pardon. J'ai voulu. J'ai vu qu'il y avait menace. Oui, il faut retourner voir Phillips. Ouais. Excuse-moi, Phillips. C'est sa vengeance, ça, c'est le karma, ça. Merde, je pensais que je pouvais l'envoyer un peu plus loin. Autorisation Rig accordée. Bonjour, gardien de station Howard Phillips. Comment allez-vous? Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Comme ça, si on meurt, on perdra pas de temps, ça sera déjà ouvert. Voilà. Bon, maintenant moi j'y vais pas. Hein. Système de défense activé. Gardien de station Howard Phillips, veuillez énoncer le code d'accès pour éviter. On n'a pas ça. On n'a pas ça, madame. Madame. Allez, madame. M'obligez pas à aller chercher Phillips. Vous voyez bien que c'est moi. Vous voyez bien que c'est moi. On va faire ça avec Phillips. Alors, il a pas voulu. Ah, le pauvre. C'est horrible. Le pauvre Phillips. On sort de son cadavre pour passer sa sécurité. Je me souvenais plus. Je me souvenais du corps un peu, qu'il fallait le prendre. Mais je me souvenais plus qu'il fallait le balancer sur les... Je suis idiot d'avoir fait ça. On avait une... Là il manque évidemment quelque chose. Il faut vite tirer sur le déclencheur. Je reviens tout de suite, je vais mettre un petit coussin.
I do not believe in original sin. However. Hop. On est back. Alors là, j'ai mis pause, mais l'ennemi nous attaque aussitôt. Hein. On est quand même. On est quand même drôlement assailli dans ce jeu. Alors attendez, est-ce que j'ai le temps de prendre mon arme? Putain, j'ai perdu deux trucs pour rien là. L'idée. Voilà, comme ça c'est réglé. Le truc c'est de les aspirer, non? Oui, voilà, c'est là que ça se passe. J'ai utilisé une arme comme ça là-dessus, hein, c'est quand même. C'est quand même dramatique. Ah, c'est derrière. Howard Phillips, mouvement non autorisé de l'ascenseur d'accès. Répondez. Nous ne sommes pas Howard Phillips, ma grande. Ce qui est curieux, c'est que la musique est toujours en mode warrior.
que ça crée. Mais j'ai pas de balles. Oh lolo lolo. Attendez, 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 je ressors, il y en a un qui vient de passer là. On peut pas rentrer. Non, on peut pas rentrer. Ben, j'espère pas. Voilà, pardon, le micro est un peu loin. J'ai 2 points. On peut se rajouter 2 dommages sur le cutter plasma. La capacité. Cutter plasma, je suis à 4 de dommages. Le trancheur aussi, j'ai la velo, je suis qu'à. Alternatif. Tir alternatif. Ça augmente les dégâts de tir alternatif. Tir alternatif. L'anti-tir alternatif, c'est quand même pas mal. Hein. Sinon, le javelot, qu'est-ce qu'on a? La recharge, mais on s'en fout. Hein. On n'a pas de tir alternatif avec module de stase. Le rig. De force, on s'en fout. Et découpeur forgé, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais que dalle. On garde le point. Pour le moment. Il va y avoir forcément une salle. Petit pote. Ah putain, j'avais pas vu. Bon, ça, le pied doit fonctionner quand même. Force. Ah, ça rigole pas, hein. On a 2 points de force. On est bien là. On va s'arrêter ici. Sur cette petite musique angoissante. Une partie de 1h. 1h41, c'est bien. C'est parfait. Je vous dis à ce soir 11h pour Visage. Hein, on va se retaper un bon coup de flip. On va continuer le chapitre avec Lucie. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à ce soir.
foreign, corrupted. As I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Who we are.
was born corrupted. As I do not believe in original sin. However, I have been corrupted. My life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist.